On continue? Oui, parce que là, ça a pas mal de matière. Bon, on a vu que Cavalier de la Salle, lui, il va se rendre jusqu'à l'embouchure du Mississippi en 1682. Mais il va aller en France. Et en France, il va essayer de convaincre le roi d'organiser une expédition qui lui permettrait de retourner établir un poste, un genre de ville à l'embouchure du Mississippi. Sauf que pour convaincre le roi, il modifie un peu la carte. Et pour rapprocher l'embouchure du Mississippi du pays occupé par les Espagnols, le pays où on trouve encore de l'or. Alors, comme Louis XIV est très intéressé à financer ses guerres à avoir de l'or, il va donc autoriser l'expédition de Cavalier de la Salle en 1685. Mais sauf que, comme Cavalier de la Salle a déplacé l'embouchure du Mississippi, il ne retrouvera pas l'embouchure du Mississippi. Et là, ça va être la catastrophe. Il y a plusieurs navires, il y en a un qui va, ils sont à peu près 400. Les Espagnols, les Indiens vont en tuer plusieurs. Plusieurs vont mourir de faim. Et à la fin, il n'y en aura seulement que quelques dizaines. Parce que Cavalier de la Salle va décider de revenir à pied. Revenir d'où à pied? De la baie, un peu du delta du Mississippi, mais plus du côté... ouest. Il avait fait le chemin à pied, mais il était passé en bateau. Il était passé en bateau de France. En retournant la Floride. Puis, il va se rendre pas tout à fait à l'embouchure du Mississippi parce qu'il ne le retrouvera pas. Et là, il va décider par après de remonter jusqu'en Nouvelle-France. Mais comme c'est un. Il est très cruel avec ses hommes, ils vont mourir assassinés. On va l'assassiner et. Lui aussi aurait pris possession du territoire avant ça, en 1782. Mais on va le tuer. Ben là, je ne vous raconte pas ça parce qu'il y a quand même énormément de détails. Et on va l'appeler le grand Bacha. Parce que lui, il avait un habit tout chamarré. Parce qu'un peu comme Jean-Nicolet, il pensait peut-être de rencontrer le grand camp, quelque chose comme ça. Et il va porter son habit chamarré. Et là, on va le tuer. On va y enlever son habit. On va traîner son corps. On va le laisser à la discrétion des loups et autres bêtes sauvages. Et au cours des semaines qui suivent, ces cinq meurtriers vont s'entretuer. Cavalier de la Salle, c'est un drôle de bonhomme. Et lui, les suspicions, lui avaient donné un petit fief. Sur l'île de Montréal, il était tellement obsédé par la recherche de la Chine que les gens vont surnommer son fief la Chine. Ah! Ville Lassalle. Ville Lassalle, c'est Cavalier de la Salle. Mais il n'y a rien à voir avec ça. Dans le sens que ça a été... Ben, c'était en son honneur, mais Cavalier de la Salle n'a pas eu de territoire. Il y avait un de ses frères qui était prêtre. Et son frère va ramener les fourrures à Montréal. Il va cacher la mort de son frère tant qu'il n'a pas vendu ses fourrures. L'amour fraternel. Bon. Excusez-moi, ces gens-là, ils avaient accès au roi parce qu'en France, ils avaient accès tout en lieu au roi. Oui. Bon, oui, parce qu'il arrivait quand même. Il arrivait quand même avec une certaine gloriole, le fait qu'il se soit rendu jusqu'à l'embouchure du Mississippi, le fait qu'il promette aux autorités royales de l'or. Il y avait une oreille attentive de la part de Louis XIV. Et lui, c'était un Français ou c'était quelqu'un qui était ministre? Non, c'était un Français. Il avait étudié pour être jésuite, mais on l'avait mis dehors parce qu'on disait qu'il y avait, en latin, il y avait un esprit ténébreux. Ah! Dès la fin des années 1680, les Iroquois commencent à bouger un peu plus. Et ils sont toujours un obstacle à la traite des fourrures. Et à ce moment-là, le gouverneur de Nonville décide d'aller faire la guerre aux Iroquois, alors même que c'est la paix entre la France et l'Angleterre. Et le gouverneur de Nonville demande au roi des hommes, des armes et des vivres. Et là, l'opération se prépare en grand secret. Et on construit 200 bateaux plats qui doivent servir au transport des troupes et des vivres.
Au printemps 1687, les habitants se terminent de terminer leur semence et 800 d'entre eux doivent accompagner l'armée régulière qui se compose d'un nombre égal d'hommes. Donc là, c'est une armée de 1600 hommes qui marchent, qui veut marcher contre le pays des Iroquois. Il y a aussi 200 Amérindiens sympathiques à la cause des Français qui vont les accompagner. Denonville quitte Québec le 22 mai, arrive à Montréal 7 jours plus tard, et le 29 arrive Rigaud de Vaudreuil avec 800 soldats que le roi avait envoyés par bateau. Or, là va arriver un épisode peu glorieux pour l'histoire de France et l'histoire de la Nouvelle-France aussi. On arrive au Fort Frontenac et là, on va. Il ne faut pas que les Iroquois sachent qu'on se prépare à les attaquer. On a, oui. Fort Frontenac. C'est Kingston. Autant que je me rappelle. L'ancien fort Cataraqui. Je pense. Je pourrais vérifier, mais là, je vous le dis de mémoire. Je n'ai pas ma carte en tête. Et là, on va utiliser un subterfuge. On va inviter les chefs iroquois au Fort Frontenac pour un banquet. Et pendant le banquet, on va les faire prisonniers. Pardon? Mais vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Et là, le Gédéon de Catalogne qui était là dit, un banquet à l'intérieur du fort, il y avait des charpentiers qui disposaient des pièces de bois par coche pour mettre tous les conviés au cep, c'est-à-dire attachés. Le jour assigné au festin étant arrivé, tous les conviés furent arrêtés. Et comme il n'y avait point de logement pour servir de prison, on les mit au nombre de 45 hommes au cep, un pied d'un chacun à la coche, un piquet qui leur servait de dossier, où il y avait une corde qui les attachait par le cou. C'est-à-dire que là. Les bras bien serrés d'une ligne. Les femmes et les filles avaient la liberté de les faire manger. Dans cette situation, ils chantaient à pleine tête leur chanson de mort. Et là, on décide de les envoyer comme galériens sur la Méditerranée. Au château de Vincennes, qui était les archives de la marine, j'ai consulté le registre des galériens. C'est un énorme volume, à peu près ça d'épais, et j'ai regardé la liste des 36 chefs iroquois qu'on va mettre sur différentes galères en Méditerranée. Et là, on va recommander que il soit mieux traité. On dit, le ministre précise, « Sa Majesté veut bien que vous les fassiez traiter de même que les nègres du Sénégal. » Et l'on dit, Denonville a écrit au ministre, « Dans le nombre des prisonniers, il y en a quelques-uns que je ne dois point vous envoyer, étant proches parents de nos sauvages chrétiens, outre qu'il y en a du village des Onontagués que nous devons ménager pour tâcher de les désunir des Tsonontouan et pour nous en servir pour négocier si nous en avons besoin. » Et en 89, on décide les survivants. Les survivants des chefs indiens? Oui. Les 36, il en reste seulement 13 qui sont vivants deux ans plus tard. Oui. Tous les autres sont morts. Et quand on décide de retourner ici, on suggère de les caresser un peu, quelques rubans et galons leur feraient plaisir. Et c'est Frontenac qui les ramène. Ah! Il va y avoir après ce qu'on va appeler le massacre de la Chine. Je pense que vous appelez ça à petite école. Et ce qui va arriver, c'est que les Iroquois ne pardonneront jamais aux Français la traîtrise qu'ils ont utilisée pour s'emparer de leur chef. Or, la guerre éclate entre la France contre l'Angleterre, l'Espagne, la Bavière et les Pays-Bas, c'est-à-dire la Belgique et la Hollande. La guerre devient effective donc le 19 mai 1689. Et on ne l'apprend pas ici tout de suite, mais par contre, on l'apprend tout de suite en Nouvelle-Angleterre. Et en Nouvelle-Angleterre, on donne des barils de poudre aux Iroquois, disant d'aller s'en servir contre qui vous savez. Et à ce moment-là, les Iroquois trouvent que l'occasion est bonne de se venger.
Et dans la nuit du 4 au 5 août 1689, alors qu'il y a un violent orage, il y a 1500 Iroquois qui vont attaquer le village de Lachine. Qui est le fief de Cavalier de la Salle? Qui était le fief de Cavalier de la Salle, mais c'était surtout le point de départ pour la traite des fourrures. C'était là d'où partaient à peu près tous les convois, tous les canaux qui allaient faire la traite des fourrures d'un pays d'en haut. Et, selon Eccles, l'attaque se solde par la mort de 24 habitants, l'enlèvement de 70 à 90 personnes, dont 42 ne reviendront jamais, par la destruction de 56 des 77 maisons. Frontenac, lui, va écrire au roi un texte dans lequel il exagère quelque peu. Il dit « Il serait difficile de vous représenter la consternation générale que je trouvais parmi tous les peuples et l'abattement qui était dans la troupe. Les premiers n'étaient pas encore revenus de la frayeur qu'ils avaient eue de voir à leurs portes brûler toutes les granges et maisons qui étaient en plus de 2 lieues du pays dans les cantons que l'on appelle la Chine et enlever plus de 120 personnes, tant hommes que femmes et enfants, après en avoir massacré plus de 200, dont ils avaient cassé la tête aux uns, brûlé, rôti et mangé les autres, ouvert le ventre des femmes grosses pour en arracher des enfants et fait des cruautés inouïes et sans exemple. » Et c'est aussi ce texte-là qu'on a utilisé pendant très longtemps dans nos manuels scolaires pour parler de la cruauté que les Iroquois avaient manifestée lors de ce qu'on appelait le massacre de la Chine. Mais donc, il n'y a pas eu 200 morts, il y en a eu seulement 24, si on tient compte quand même d'à peu près des 30-quelques qui vont mourir en Iroquoisie. Ça en fait peut-être une affaire comme une soixantaine, non pas 200. Ouvrir le ventre des femmes enceintes pour arracher des enfants, peut-être, parce que les Iroquois avaient bu. Et parce qu'il y avait beaucoup de boissons à la Chine, parce que c'est un élément important dans la traite des fourrures. Et les Indiens, quand ils boivent, ils ont des réflexes extrêmement dangereux. On n'a pas d'autres textes, mais d'après Eccles, c'était possiblement exagéré. Donc, la guerre, c'est la guerre entre la France et l'Angleterre. À ce moment-là, on va ici organiser des expéditions contre 3 villages de l'Inde d'Angleterre, Casco, Carlar et Salmon Falls. Contre Carlar, on a entre autres les 2 frères, Jacques Lemoine de Sainte-Hélène et Pierre Lemoine d'Iberville. Et le 18 février 1690, on va attaquer le village, mais à la façon amérindienne. On dit vers le 11h du soir, Canadiens et Amérindiens arrivent tout près de la ville, la petite ville. On devait attendre jusqu'à 2h du matin pour lancer l'attaque. Mais la violence du froid les obligea à ne pas différer davantage. Carlar, c'est en Nouvelle-Angleterre, je ne sais pas où exactement. C-O-A-R-L-A-R. Aujourd'hui, c'est Schenectady. C'est dans la New York. Et dans la relation de l'attaque, on dit qu'on garda au fort un fort profond silence jusqu'à ce que les 2 commandants, qui après être entrés dans la ville, s'étaient séparés pour l'investir, se furent rejoints à l'autre extrémité. Le cri d'attaque se fit à la manière des sauvages. C'est-à-dire que là, ça jette toujours la panique. Et tout le monde le donna en même temps. Le sieur de Mantet se mit à la tête d'un détachement pour attaquer un petit fort où la garnison était sous les arbres. La porte en fut enfoncée avec beaucoup de peine. On y mit le feu et on y tua tous ceux qui se défendaient. Le saccagement de la ville avait commencé au moment avant l'attaque du fort. Peu de maisons firent résistance. On dit une soixantaine d'habitants, dont plusieurs femmes et enfants, moururent tués ou brûlés. 27 autres personnes, dont 5 esclaves noirs, prirent le chemin du Canada. Et là, chez les Canadiens, seulement 21 pertes de vie, soit 17 Canadiens et 4 Amérindiens. Mais ça va vraiment semer la panique en Nouvelle-Angleterre. Et à ce moment-là, on va avoir un pasteur qui s'appelle Cotton Mather, qui lui va dire, Delian Darius Carthago, Québec doit être conquis et réduit. Et c'est là qu'on va avoir 2 armées, une par voie de mer et l'autre par voie de terre, qui vont venir
attaquer Québec. La première armée, parcelle de terre, va camper au lac Champlain en attendant que Québec tombe aux mains des Anglais. Et c'est William Phipps qui, lui, va venir attaquer Québec en 1690, en septembre 1690. L'armée qui est au lac Champlain, elle, va être ravagée par la petite vérole et n'ira pas plus loin, alors que la flotte de Phipps va quitter le port de Boston, va quitter Hull près du port de Boston le 20 août et va arriver à Québec, alors que Frontenac est à Montréal. On va le faire revenir d'urgence. Et là, on va jeter l'ancre devant Québec le 16 octobre à 6 heures du matin, et on va arborer le pavillon blanc, c'est-à-dire qu'on veut envoyer quelqu'un pour sommer Frontenac de capituler. Et c'est Thomas Savage, le major Thomas Savage, et on va l'accueillir avec un autre pavillon blanc. Et là, Québec, vous savez, n'est pas prêt à recevoir une attaque anglaise, et là, on va simuler une foule importante. Et la mère Juchereau décrit ainsi de quelle façon les Québécois s'amusent avec Savage. On dit, on courait de tous côtés, on allait se ranger comme si la foule eût fermé le passage, et pour mieux lui persuader que le monde abondait à Québec, 10 ou 12 hommes eurent soin de le presser, de le pousser pendant tout le chemin, sans qu'il s'aperçût que c'était toujours les mêmes, qui ne faisaient que passer et repasser autour de lui. Les dames qui eurent la curiosité de le voir l'appelaient en riant Colin Maillard. Et tout ce qu'il attendait lui paraissait si résolu qu'il en tremblait de peur quand il entra dans la chambre du gouverneur où tous les officiers l'attendaient. Ils s'étaient tous habillés le plus proprement qu'ils purent, les galons d'or et d'argent, les rubans, les plumets, la poudre et la frisure, rien ne manquait. Et là, l'émissaire présente au gouverneur une lettre le semant de rendre la ville d'ici une heure. Et il tire une montre de sa poche et la met sur la table. Et Frontenac répond, « Je ne ferai pas tant attendre. Dites à votre général que je ne connais point le roi Guillaume et que le prince d'Orange est un usurpateur qui a violé les droits les plus sacrés du sang en voulant détrôner son beau-père, qui était Jacques II. » Bon, ce qui est arrivé, c'est que Guillaume d'Orange, faire un genre de révolte. Il va s'emparer du pouvoir à Londres et il va chasser Jacques II. Qui était le roi, qui était un Stuart, qui était le roi en titre. Et c'est ce qui va faire que la France va déclarer la guerre à cause de ça. Et Frontenac va ajouter, « Non, je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil. Qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie semer un homme comme moi. Qu'il fasse du mieux qu'il pourra de son côté, comme je ferai du mien. » Quand, vous savez, la fameuse phrase, « Je répondais par la bouche de mes canons », elle est à peu près vraie. Ça, c'est Monseigneur qui était le secrétaire de Frontenac, qui va envoyer une relation de tout ce qui s'est passé. Là, Savage retourne à bord, et à ce moment-là, on va tenter un débarquement dans la baie de Beauport. 1400 hommes vont débarquer dans la baie de Beauport, mais ça va être un échec. Et le 23 ou le 24, il y a 2 pouces de glace sur le fleuve Saint-Laurent, un soir. Et là, Phipps a peur que ce navire respire dans les glaces du Saint-Laurent. Et il décide donc qu'on va échanger des prisonniers et il retourne à Boston sans que Québec ait été eu à se battre. Il n'y a pas eu d'engagement. On avait construit en 1685 une petite chapelle dans la basse-ville, là où est la place royale. Et on va changer le nom de la chapelle pour Notre-Dame de la Victoire. Et la guerre va se poursuivre, il va y avoir quelques attaques qu'on va faire, mais il y a un combat qui est intéressant qui se situe en 1697. À ce moment-là, Pierre Lamoine d'Iberville a reçu la mission d'aller chasser les Anglais de la baie du Thon. Il part donc à bord de son navire qui s'appelle le Pélican pour aller attaquer les postes anglais, mais il va se retrouver en présence de 3 navires anglais que lui, au début, prend pour des navires français, parce qu'il devait y avoir d'autres navires qui devaient venir le rejoindre pour participer à l'attaque. Mais là, il se retrouve donc seul contre 3 navires anglais. Son Pélican dispose de 44 canons,
alors que les trois autres navires anglais, le Hudson Bay, le Darling et le Hampshire, en possèdent en tout 114. Et là, vous allez voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un combat de... comment on faisait un genre de guerre à la dentelle, en dentelle. Le commandant du Hampshire, qui est Fletcher, avant de lancer sa première bordée, appelle d'Iberville, lui demandant d'abaisser le pavillon. Et comme d'Iberville refuse, Fletcher prend un verre et boit la santé de son adversaire en disant qu'il dînerait immédiatement avec lui. Là-dessus, le dit capitaine français bit aussi un verre à la santé de son adversaire et sur ce, ses hommes firent une décharge de petits pilons sur le Hampshire à laquelle on répondit par une semblable décharge sur le vaisseau français. Après quoi, le capitaine Fletcher disparut. On supposa qu'il avait été tué suivant ce que le frère du dit capitaine français dit au déposant Samuel Clark. Et là, les navires étaient assez prêts, qu'ils ont presque choqué leur verre avant de se battre. Mmh. Chacun sur son bateau. Chacun sur son bateau, ben oui. Là, l'Hampshire va couler le premier, le Hudson Bay capitule, puis le Darling s'enfuit. Quant au Pélican, il va sombrer le lendemain. Et cette bataille-là a été glorieuse pour d'Iberville. Il avait réussi aussi à chasser une partie des Anglais de l'île de Terre-Neuve. Mais en Europe, on ne tient pas compte de tout ça et on va signer un traité qui s'appelle le traité de Ryswick en 1697. Et ce traité-là stipule statu quo ante bellum, c'est-à-dire qu'on retourne à la situation telle qu'elle existait avant la déclaration de la guerre. Bien, c'est parce qu'on avait tiré du canon contre le bateau, puis il y avait des boulets qui avaient touché le bateau. Pardon? Où est-ce qu'il avait eu lieu cette bataille? Pour quelle place? Dans la baie du Thion. Ah oui? Et comment ils sont arrivés là tout? Ils ont contourné le Labrador? Oui, ils ont contourné le Labrador. D'accord. C'est bon. Puis alors, il y avait eu des fissures dans le bateau? Oui, il y avait... Mais comment est-ce qu'ils réussissaient à se trouver? Parce que les distances sont telles que... Bien, c'est-à-dire qu'on faisait toujours le point à midi, avec le sextant, on prenait sa position par rapport au soleil, on savait à peu près où on était rendu. Il y avait quand même des cartes à ce moment-là qui existaient, assez précises, des côtes, des îles, et d'Iberville avait déjà été là, lui, en 1686, mais par voie de terre. Et le Pélican... Monsieur Stewart, la Fondation McDonald Stewart, avait décidé de faire reconstruire le Pélican. Et il avait demandé à un ingénieur, celui qui avait dessiné les plans de la Grande Hermine, qui est à Québec et qui est terminé maintenant, de dessiner les plans du Pélican. Ça avait été construit par des jeunes à la Malbaie, sauf que c'est un navire qui ne pouvait pas flotter. On l'a amené à Montréal à un moment donné. Ça a coûté plusieurs millions. On l'a amené à Montréal. Après ça, il a été vendu à un propriétaire de la Louisiane. Et actuellement, le bateau est sur un chaland sur le Mississippi. Mais c'est pas avec ça qu'on a fait un tournage? Non, le tournage du... Avec d'Iberville. Avec d'Iberville, c'était fait avec des maquettes. Ah. Et pourquoi il ne pouvait pas flotter? Il était mal, puis les matériaux faisaient en sorte qu'il ne pouvait pas flotter. Il y a des bouts qui étaient faits en chaîne. Et ça ne fonctionnait pas. Et moi, je me rappelle, j'avais rencontré François, je ne me rappelle plus de son nom, parce qu'il voulait faire un musée dans la cale du bateau. La guerre va recommencer en 1701. Mais avant, il y avait eu à Montréal une réunion en 1700 d'une trentaine de nations autochtones parce qu'on veut faire la paix, on veut que la paix existe. Et cette paix-là va être signée au début du mois d'août 1701 à Montréal. C'est ce qu'on a appelé la Grande Paix de Montréal. Ce n'est pas une paix entre les Amérindiens et les Français, mais c'est une paix entre les Amérindiens. Ils ont signé à Montréal. C'était signé à Montréal. Ça, c'est la Grande Paix de Montréal. C'est ça qu'on a commémoré en 2001. La paix des Braves? Non, la paix des Braves, ça, c'est avec
Bernard Landry et certaines nations comme les Cris, entre autres, pour la construction là, de barrages hydroélectriques dans le Nord. Non, mais ça, on appelle ça la Grande Paix de Montréal. Ben, c'est-à-dire, non, c'est Calière qui va négocier cette paix-là. Okay. Et, mais par contre, ça va être une paix où les différentes nations vont faire la paix entre elles. Puis c'est Calière qui servait de Ben, c'était celui qui avait invité les différentes nations. On aura des truchements, là, des interprètes. Et le principal orateur, c'est Kondiaronk, dit Laura, qui est un chef Huron et qui va mourir au moment des négociations. Il va avoir Kondiaronk. Il en a parlé. Oui, puis il y a pas de Garagonti aussi, qui est un autre chef. Lui, c'est un Iroquois. Puis c'est de Calière qui avait réuni ces gens-là pour leur proposer de faire. Donc, il y a quand même Bien, il y a une part. Il y a une part, mais il a servi d'intermédiaire, mais il n'a pas servi de signataire. Les chefs, dans le Boréal Express ou dans le Canada-Québec Synthèse historique, on a reproduit la signature des chefs. Et ce sont toutes des signatures totémiques. Comme Kondiaronk dit le rat, lui, c'était un dessin de rat. L'autre, c'était un ours. L'autre, c'était un renard. Mais c'est très beau à voir les signatures totémiques de ces chefs-là. Où est-ce qu'on trouve ce document? Il est reproduit dans différents ouvrages. Alain Beaulieu a publié aux éditions Libre Expression un livre sur la Grande Paix de Montréal dans lequel on retrouve la signature des chefs. Et vous dites qu'on l'a aussi dans le livre que vous avez... Canada-Québec, Synthèse historique ou dans le Boréal Express. Or, le 1er novembre 1700, Charles Duc et roi d'Espagne meurent sans héritier. Louis XIV veut placer son petit-fils sur le trône d'Espagne, ce qui ne plaît pas à l'Autriche, parce que l'Autriche dit qu'elle aussi a le droit de placer un de ses nobles sur le trône d'Espagne. Et là, c'est la guerre. La guerre où la France vraiment va être avoir comme ennemi l'Angleterre, la Hollande, le Danemark, l'Autriche et plusieurs princes allemands. Là, nous, on va faire quelques raids encore en Nouvelle-Angleterre, mais il n'y a pas vraiment de combat important. Il y aura plusieurs combats qui auront lieu en Acadie. Mais il y a une seule tentative qui a lieu en 1711, et à ce moment-là, c'est une tentative encore à deux volets. Il y a une armée par voie de terre qui se rend jusqu'au lac Champlain et qui attend que Québec tombe pour venir envahir la vallée du Saint-Laurent. Et on a d'autre part une flotte qui part de l'Angleterre pour venir s'emparer de la Nouvelle-France, s'emparer de Québec, de Trois-Rivières et de Montréal. Et elle est commandée par Sir Avenden Walker. C'est lui qui reçoit le commandement de la flotte. Le 5 juillet 1711, parce qu'on était parti de l'Angleterre, on va arriver à Londres, à Boston, et là, on prépare du ravitaillement pour à peu près 10 000 personnes. Ça comprend 1 million de livres de pain, 150 000 livres de 4 livres de bœuf, 150 000 pièces de 4 livres de bœuf, 150 000 pièces de 2 livres de porc, 4 700 boisseaux de 4 gallons de poids, 7 000 boisseaux de 2 gallons d'avoine, 56 000 livres de beurre, ou une quantité équivalente de pain d'huile, 112 000 livres de fromage, et ça doit suffire à alimenter à peu près 9 385 soldats et marins. Et la flotte va remonter le fleuve Saint-Laurent, mais n'oubliez pas qu'on est rendu à la fin du mois de juillet. Mais là, de fait, dans le calendrier anglais, on est le 30 juillet 1711, mais dans le calendrier français, on est le 9 août. Je vous ai expliqué l'autre fois le calendrier. Il est 10 jours, là, le calendrier grégorien. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là à ce moment-là? Mais juste vous expliquer que
en 1582, Grégoire XIII, qui est le pape, se rend compte que la Terre est en retard sur le Soleil. Il forme donc une commission d'astronomes qui trouve qu'on est 10 jours en retard sur le Soleil. Parce que la réforme du calendrier précédent, c'était le calendrier julien, le calendrier de Jules César. Là, il décide donc que le lendemain du 4 octobre 1582 sera le 15 octobre 1582. Mais comme c'est une réforme catholique, l'Angleterre, qui est protestante, n'accepte pas cette réforme-là. Elle va l'accepter seulement en 1752. Les orthodoxes n'accepteront pas cette réforme-là. Ça explique pourquoi. La Noël, il y a fête au moment où on fête les rois, à cause des 10 jours de décalage. Or, si vous consultez un texte anglais pour l'affaire de Walker, vous n'avez pas la même date qu'un texte français. Et c'est pour ça que dans le texte anglais, on donne le 30 juillet, mais dans les textes français, on donne 9 août. À ce moment-là, il y a 9 bâtiments de guerre, 2 galiotes à bombes, 60 transports de troupes et de ravitaillement. Il y a 7500 hommes de troupes et de fusiliers, et avec les marins, ça fait à peu près 12 000 hommes qui remontent le fleuve Saint-Laurent. Ils viennent d'Angleterre. Et il y a des femmes à bord. Il y a même des enfants qui sont à bord. Aujourd'hui, vous ne verrez pas, la guerre en Irak, les femmes de soldats américains les accompagnent sur les champs de bataille. Mais des femmes soldats, oui. Pardon? Des femmes soldats. Il y a des femmes soldats. Pas de femmes de soldats, mais des femmes soldats. Il y a des femmes soldats, mais il n'y a pas des femmes de soldats. Alors que si vous prenez, par exemple, Napoléon, quand il fait sa campagne de Russie, il y a des centaines et des centaines de femmes qui l'accompagnent. Le baron de Diesco, quand il va se battre à la Monongahela en 1754, il y a sa maîtresse à côté de lui sur un cheval. C'était quelque chose d'assez normal. Des soldats, ça en avait là pour s'installer, ou ils suivaient? Non, ils suivaient. Ils ne faisaient pas juste la cuisine. Et le mauvais temps va se mettre de la partie. Dans le golfe, à l'entrée du golfe Saint-Laurent, on s'est emparé d'un navire français qui s'appelait le Neptune et dont le capitaine à bord était Jean Paradis. Et Jean Paradis va se retrouver à bord du vaisseau amiral de Walker. Lui, on ne sait pas quel rôle il va jouer. Est-ce qu'il va agir comme pilote d'Abraham Walker, ou est-ce qu'il n'a pas contribué à faire échouer la flotte, parce que la flotte va s'échouer à l'île aux œufs, près de cette île. Et ce qui fait que les navires ne remonteront pas jusqu'à Québec. À ce moment-là, les survivants vont retourner, quelques-uns à Boston et les autres en Angleterre. Et il va y avoir, on dit 1290 naufragés. Il y a 740 soldats et 150 marins qui vont se noyer, qui vont mourir de froid. Et plus tard, au début du mois d'octobre, il y a Morgan de la Valtrie, qui est accompagné de 2 Français et d'un Canadien. Lui, il se rend sur le lieu du naufrage. Et là, on va trouver toutes sortes de choses. Et lui, il parle de 1500 à 1600 corps morts, desquels il y avait environ une vingtaine de femmes, parmi lesquelles il y avait des enfants à la mamelle, qu'on a vu sur la grève des chevaux, des moutons, des chiens, des volailles, quantité de bas pour les chevaux de charge. 300 ou 400 grosses futailles cerclées de fer, dont on ne sait si elles sont pleines, beaucoup de brouettes, même une barrique de vin et une barrique et demi d'eau de vie, de laquelle le déclarant a bu plusieurs fois avec les 2 hommes. Quand, sur le bord de la Champlain, Nicholson, qui commande l'armée de 2000 hommes, soldats et miliciens, avec quelques centaines d'Iroquois, quand il apprend que l'attaque de Québec n'aura pas lieu, il se fâche, et on dit dans les textes d'époque qu'il a piqué une juste colère, arraché et piétiné sa perruque. La paix va intervenir à Utrecht. C'est le fameux traité d'Utrecht de 1713. Qui va mettre fin à la guerre. Mais aussi, c'est un traité extrêmement important pour nous, parce que ce traité-là cède à l'Angleterre
la baie du Tson, Terre-Neuve, l'Acadie, et déclare que les Iroquois relèvent du souverain britannique. C'est un peu la fin, le début de la fin de la Nouvelle-France. Le reste, on va s'acheminer, on aura 30 ans de paix, on le verra la prochaine fois, on aura 30 ans de paix. On aura une première guerre entre 1745 et 1748 où il n'y aura rien qui va concerner Québec. Mais ça va être Louisbourg qui va tomber, mais on aura le traité d'Aix-la-Chapelle qui va être encore un traité statu quo ante bellum. On va retourner la forteresse de Louisbourg à la France. On aura une nouvelle guerre qui commencera ici en 1954, mais qui ne commencera officiellement qu'en 1956 et qui va se terminer en 60 ici, mais en 63 par le traité de Paris. L'échec de Walker va faire en sorte qu'on va changer le nom de l'église de Notre-Dame de la Victoire pour Notre-Dame des Victoires. Là, vous avez l'origine du toponyme, du nom actuel. Moi, j'ai fini. Je suis rendu. Pardon? Oui? Jean Parizeau. Oui. Certains le considèrent comme un traître, d'autres le considèrent que c'est lui qui serait peut-être un héros, qui aurait fait échouer la flotte de Walker. On ne sait pas. Ou un traître qui ne savait vraiment pas bien naviguer. On ne sait jamais non plus. Mais il faut savoir que, rendu cette époque-là, le fleuve, il y a beaucoup de brouillard, il y a beaucoup de vent, et c'est très dangereux. On ne sait pas s'il a survécu. Paradis? Oui, il a survécu. Oui. Vous pourrez lire sa biographie dans le Dictionnaire Biographie du Canada, qui est assez nuancée. Sa biographie est assez nuancée. Ben, c'est ça. Mais ce soir, vu qu'on a eu un long cours, on va terminer ça comme ça. Mais on vous invite la semaine prochaine à venir assister à la conférence de Louis Bernard, qui va nous parler de la notion de... l'identité québécoise là, récente, là, peut-être à partir des années 60, c'est ce qu'on entend par... Comment est-ce que vous avez le prochain cours? Le prochain cours? Le prochain cours? Si vous voulez le... J'ai la date ici. Je vais vous dire ça tout de suite. L'avant-dernière semaine d'avril, je crois que c'est le 18. 18 avril. Le titre de la conférence de M. Bernard, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a une... La nation québécoise. OK. Ouais. On remercie tout le monde d'être venu ce soir. Ben, merci beaucoup à vous. Merci.